L'objectif maintenant, c'est de convertir des dimensions d'ordre 2, c'est-à-dire des surfaces. Donc qu'est-ce que c'est qu'une surface? C'est une longueur fois une longueur, donc c'est le produit de deux longueurs. Les conversions d'ordre 1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour les longueurs. Donc le problème, c'est que c'est pour mesurer une surface, il faut multiplier deux longueurs entre elles. Par exemple, 1 cm carré, c'est 1 cm fois 1 cm. Donc c'est un carré qui fait 1 cm de côté. Donc on voit bien que pour convertir 1 cm carré en 1 mètre carré, par exemple, on va devoir convertir pour une première fois les centimètres en mètres ici et les centimètres en mètres ici. Donc nous avons deux conversions à faire. Donc ce que je vous propose de faire, pour ne pas vous tromper, c'est de couper les colonnes en deux. Pour faire vos conversions. C'est-à-dire que pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, on ne va pas passer de là à là en augmentant ou en diminuant d'une unité, mais à chaque fois de deux unités. Donc, je prends un exemple, le centimètre carré, par exemple. Alors, 1 cm carré, j'écris ça dans la colonne de droite, ou donc dans la colonne des centimètres carrés coupée en deux, et je vais le convertir en mètre carré, par exemple. Donc, mètre carré, c'est ici. C'est à gauche, donc mets un 0 du 1 jusqu'à la première colonne des mètres carrés. Et je mets une virgule à la verticale de la colonne. 1 cm carré, c'est 0,0001 mètre carré. Donc on peut faire pareil maintenant avec n'importe quel autre exemple. On va prendre par exemple 12 décamètres carrés à convertir en décimètres carrés. 12, je l'écris ici. Donc, on me demande de me déplacer vers la droite. Quand je me déplace vers la droite, je mets des zéros jusqu'à la dernière colonne concernant l'unité à convertir. Donc, on me demande de convertir des décimètres carrés en décimètres, des décamètres carrés, pardon, en décimètres carrés. Donc, je m'arrête là. Et donc, ça fait 12 décamètres carrés. Ça fait 120 000 décimètres carrés. Alors, on va prendre un autre exemple. Si je veux convertir, admettons, 37 cm carrés en décamètres carrés. Donc 37 cm carrés en décamètres carrés. Donc cette fois-ci, je me déplace dans le tableau vers la gauche. Je mets toujours des zéros pour aller jusqu'à la colonne concernée, donc la première des décimètres carrés, et je mets une virgule à la verticale de la colonne. Donc 37 cm carrés, ça fait 0,000037 cm².